All right, okay. So this is Ratchet & Clank 2 with a little bit of a twist. We're gonna be using our default wrench, which is a very bad weapon. There's no other way of putting it. This is as much a challenge run as it is a speed run. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmao33 pour aujourd'hui le troisième épisode de notre défi Ratchet & Clank 1 clé uniquement. J'espère que vous allez bien. La dernière fois nous avions galéré sur cette merveilleuse base stellaire. Joie, bonheur, allégresse. C'était horrible, plus jamais ça de ma vie. Enfin bref, aujourd'hui nous allons continuer. Est-ce que mon timer s'est lancé? Pas du tout, s'il vous plaît. Lancez-vous monsieur, merci. Ouh, j'ai l'impression que j'ai un décalage. Ah non. Alors, aussi, j'ai un énorme décalage. Ouh là là. On va voir si ça se règle, sinon je relancerai. J'ai l'impression d'avoir un décalage input visio. Parce que je le fais via mon écran d'OBS. Peut-être qu'il aime pas. On va voir. Je vais faire un test là. Je puf. Non, c'est bon, c'est arrêté. Alors, pourquoi je reviens sur Kerwan? Parce que entre l'épisode d'aujourd'hui et le précédent, qui, je le rappelle, avait été enregistré, je crois, une heure et quelques heures après la sortie de l'épisode 1, bon, bah, j'ai pas eu de retour particulier. Apparemment, la série a l'air de plaire de ouf. C'est-à-dire que l'épisode 1 est sorti il y a une semaine au moment où vous allez avoir ça. Il y a bon. Voilà. C'est pas mirobolant, je m'excuse, il y a 30 vues, mais waouh! Voilà, extraordinaire. Et donc j'ai eu les retours, et j'ai eu notamment ce cher Alexis, très fidèle, qui m'a dit bah, au pire, à chaque fois que tu tires une munition, bah, tu vas récupérer un boulon en or. Ce que je viens de faire à l'instant. Et je tiens à ce que le boulon qu'on ira récupérer sera sur la planète où on a utilisé une munition. Et comme c'était dans l'épisode 1 sur la planète Kerwan, eh ben on fait un détour par Kerwan pour aller le récupérer. Aujourd'hui ça va être un épisode ma foi fort fabuleux, vu qu'on va devoir s'attaquer à la course overboard. J'ai pas envie. Je n'ai clairement pas envie. Aussi en théorie c'est la dernière fois que vous verrez cette magnifique tignasse dégueulasse. Donc je suis censé me faire couper les cheveux. Là. En fait, au moment où vous allez avoir cet épisode de sortie, normalement je n'aurai plus de cheveux sur le caillou. Enfin, plus. Moins. On va raser. Parce que ça commence à être horrible. Surtout qu'en plus je vous avais dit dans le premier épisode que j'avais eu un boulot de prof là au mois de septembre dernier. Je sais toujours pas si je suis reconduit d'ailleurs. Ça, un détail que voilà. On s'en fout. Oui, alors j'étais pas concentré. Mais en parallèle ah, est-ce que le poisson peut venir me récupérer s'il vous plaît? Merci bien. En parallèle, je travaille dans un labo de production pour faire des. Je suis pas concentré, faut que j'arrête de vous parler. Mais en gros, je fais des flacons de cigarettes électroniques, que ce soit pour les particuliers, pour la boîte dans laquelle je travaille ou pour d'autres boîtes qui sont dans la cigarette électronique. Donc, je fais les flacons. À la mano, et donc bref, tout ce qui est matériel de laboratoire, donc, voilà, hein. Blouse, lunettes, etc. Sauf qu'en plus on a les chaussures de sécurité et une magnifique Charlotte sur la tête. Donc imaginez, hein, c'est un espèce de... comment on pourrait appeler ça, de méduse, voilà, qu'on te met sur la tête pour éviter de faire tomber les cheveux. Bon, vous savez ce que c'est, hein, si vous êtes déjà allé dans... Je vais peut-être te placer s'il vous plaît. Si vous êtes déjà allé vraisemblablement dans un hôpital, ben voilà, les infirmières ont ce genre de truc sur la tête. C'est pour éviter bien sûr d'étaler ses cheveux un petit peu partout. Et bon, il arrive un point où ça se voit un tout petit peu, mais j'ai les cheveux de derrière qui rebiquent.
Et donc bah forcément je commence à avoir des cheveux qui pas qui dépassent mais on est limite. C'est-à-dire ça craque sous le sous le Charlotte quoi. Bref, j'imagine pas s'il y en a qui ont des coupes afro hein, qui n'aient pas bossé là où je bosse, hein, c'est niette. On vous acceptera pas. D'ailleurs, fait amusant, vous êtes obligé également de porter une Charlotte, même si vous êtes chauve. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que voilà, il y a des cellules de cuir chevelu qui peuvent se mettre là. Je n'en sais rien. Mais voilà. Donc oui, évidemment, comme je vous parle, bah, je suis pas concentré sur ce qu'il faut faire. Fallait laisser, bien évidemment, vers le haut. Que là, on s'en fout royal de descendre. L'eau. Donc voilà, je rappelle que cette musique on la retrouve sur Blackwater City dans Ratchet & Clank 3. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte! D'ailleurs, alors si c'est pas encore fait à l'heure actuelle. Ah si, oh si, il faut que je vous parle de ça parce que c'est extrêmement magique. Vous vous souvenez, dans le premier épisode, je vous avais parlé de mes soucis de disque dur. Je vous avais dit que j'avais appelé, enfin que j'avais fait appel à un mec pour que. Voilà, ils prennent en charge mon disque dur défectueux et qu'ils puissent récupérer toutes les données. Et sachant que c'était le 23 juin où je lui ai filé mon disque dur, sachez que j'ai dû payer des frais de prise en charge d'une valeur de 55 euros. Là encore, ça va. Et je l'appelle lundi, donc 1er août. Et pour lui dire, bon ben, mec, ça fait quand même 5 semaines, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc, je lui laisse un message parce que j'aime pas appeler les gens, donc je préfère envoyer des messages. Il me rappelle et il me fait bonjour monsieur, oui, à propos de votre disque dur, il est parti à l'étranger pour analyse. Alors, bon, à l'étranger, j'ai pas plus d'infos. Je n'en sais pas plus que vous. Mais voilà, il est parti à l'étranger pour analyse. Déjà, bon, je pense que le minimum syndical, on va crever, hein, spoiler. Le minimum syndical quand tu fais ce genre de choses, c'est au moins de prévenir le client qui te. Bah, qui veut le disque dur. On va crever. On peut pas y aller encore? Bah, si, normalement, on peut y aller sans. Faut faire la technique du bunny hop. Donc bref, donc voilà, votre disque dur est à l'étranger pour analyse. Par contre, souci, ils sont partis en vacances, ils sont fermés jusqu'en septembre. Et là, je suis là, bah joie, bonheur, allégresse. C'est-à-dire que si le mec m'a sucré, j'ai 55 euros dans le cul et jamais plus je vais revoir mon disque dur. Ce qui est franchement une possibilité qui me ferait chier parce que bah, j'ai quand même des trucs importants dessus. J'ai quand même tout mon boulot de prof et tout de l'année dernière. Donc si je pouvais le garder pour potentiellement cette année qui arrive, bah, ça serait fort bien. Donc pour l'instant, je l'ai un peu dans le baba. Donc c'est vrai que toutes les données que j'ai dessus bah, sont potentiellement perdues. Je vais pas assez vite ou je loupe un détail? Parce qu'il me semble que normalement on a largement le temps. Je suis sûr que je suis en train de louper un truc essentiel. Et je fais le gland à vous parler. Il me semble qu'on avait fait la technique du bunny hop hein, la première fois aussi. Qu'on va s'en foutre des ennemis parce que. Ces fameux amis qu'on retrouvera évidemment. Dans Ratchet & Clank 3. En fait, je pense que c'est là où je perds un temps de dingue. Donc voilà, je vous donnerai des news. Pour mon disque dur au fur et à mesure.
Et donc du coup, j'ai souvenir, mais j'ai pas vérifié, c'est vrai que j'aurais dû faire ça avant de lancer ça, histoire de vous donner les véritables infos. Mais il me semble que, vous savez, la graphiste dont je vous avais parlé, également dans le premier épisode, il me semble que j'avais déjà envoyé la doc de ce que je voulais. On s'est à revérifier. Ah, remonte, je t'en conjure. Ah, ouf. Je me suis fait vraiment... Vous voyez les cheveux là? Il commence à bien me faire chier là. Là. Voilà. J'ai une coupe dégueulasse mais je m'en fous. Je suis pas là pour faire beau. Enfin. On s'en fout. Oui. Saute un moment. Ah voilà. On rencontre quoi? Oh là là, le QG. Oh là là. Ah, j'ai vraiment pas envie. Aïe aïe aïe, non mais Umbris, on va commencer, alors, voilà, il y avait, bon, début du jeu, fine, Nebula G34, on monte d'un cran, Umbris, on va commencer à monter, et là, bon, bah, le boss final, hein, on va être là, hein, et encore, je pourrais monter, mais bon, je risquerais d'être censuré. Bref, ah ouais, parce que le boss, ça va être un enfer. Ça va être un enfer sans nom. Là déjà, là je sens que c'est trop horrible. Ce tank là... À moins que... Bon, de toute façon, on n'est pas... Le défi, c'est pas défonce tous les ennemis uniquement avec la clé. C'est pour finir le jeu sans utiliser mune. Bon, on l'a déjà fait une fois, mais c'était par erreur. En théorie, ça... Je dis bien en théorie, hein, vous savez qu'avec moi, c'est... Ça peut vite être dramatique. En théorie, si je gère bien mon select prompt et que j'oublie pas si on nous donne une arme de la désenclencher, bon, ça devrait bien se passer et on devrait plus gaspiller de mine. En théorie. Premier de la vidéo, hein, d'ailleurs. Bravo. D'ailleurs. Toujours le même, hein, ce cher Alexis va essayer, je dis bien essayer, de compiler certains passages. Il m'a envoyé un G-Doc l'autre jour, j'étais, c'était drôle. Je me rends compte que j'ai beaucoup de conneries, mais bon, écoutez. Oulala, j'ai envie de dire youtubeur, c'est un peu comme prof, hein. Voilà, vous êtes un comédien. Bon, je suis très mauvais comédien. Mais ok. Donc vous en faites la conclusion logique que vous voulez. Si vous avez envie de dire que j'étais un mauvais prof, là, bah voilà. De toute façon, vous avez aucune preuve. À moins que par le plus grand des pifs. Je dis bien par le plus grand des pifs, hein, parce que vraiment, il y a très peu de monde qui connaissent l'existence de cette chaîne. Alors que pourtant, ça fait plus de 10 ans. Mais voilà, si un de mes élèves passe par là, bon ben voilà. Donc vous pouvez dire que j'étais un mauvais prof. Je vais me faire baiser. Et voilà! Bravo à tous! J'ai remarqué que je disais souvent, beaucoup de fois, le même truc. Du style je t'en conjure et bravo, ou bravo à tous. Pardon. S'il y a des gens que ça gêne, je m'en fous. Ok. Heureusement, la perspective. Voilà. Donc, is ok. Donc, je sais pas si je peux dévoiler. Le nom de ma boîte, mais voilà. Je ne le ferai pas, bien sûr, en cas de poursuite judiciaire, parce que sait-on jamais. Je pourrais vous raconter des anecdotes de boulot, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que ça intéresserait les gens? Non. Est-ce que je vais le faire? Peut-être un jour. Non, mais c'est vrai, voilà. On a dit que cette série... Mis à part que c'était voilà, pour le défi de merde, hein, on va pas se cacher. C'était aussi un peu pour le blabla. À vrai dire,
ça va quoi. Qu'est-ce que j'aimerais quand même un jour. Alors, on m'a susurré le fait que potentiellement, je dis bien potentiellement, j'ai la fille prochainement chez moi. Donc, ce qui veut dire, en toute déduction logique, que je pourrais streamer enfin pour de vrai. Parce que bon, il y a eu des essais, hein. Dans des périodes. Je vais faire celui de ma vie, parce que c'est pas vrai. Le jour où je serai malheureux, pour l'instant, n'est pas arrivé. C'est bien évidemment, vous l'aurez reconnu, un gangbang. J'aimerais. Putain, avec la caméra, j'ai cru que j'étais mort. Heureusement qu'il y a la barre de vie en haut. Oh, en vrai, on aurait pu complètement les zapper. Ok, c'est pas là. C'est pas là du tout. Ah, bien sûr. Est-ce que c'est dans cette instance-là de Ratchet & Clank? Ou dans une série que... précédente où j'avais parlé du Trinitrotoluène pour TNT? Logiquement, on devrait dire le TNT parce que c'est le Trinitrotoluène. Voilà. J'ai fait un BT chimie, donc merci à tous. A chaque fois, je me fais avoir sur celui-là. Normalement, on a un checkpoint ici. Hein. Voilà, donc arrêtez, s'il vous plaît, de dire la TNT, c'est le, et puis voilà. Niquez-vous. Ah ouais, alors non, toi, mec, jamais de la vie, jamais, tu m'entends? Jamais on achètera le t'éclater la tronchetta. Et du coup, je voulais rebondir sur un truc, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que ce fut. C'est ça le problème, voilà, c'est quand on a le cerveau un peu trop performant. On a un million de pensées qui viennent et pour faire le tri bon courage, est-ce que potentiellement. Comment je vais le passer lui? Est-ce qu'on est d'accord qu'il fait que des veilles? Non! Ta bouche! J'ai dit non! Hors de quest, now. En fait, il fait que des va-et-vient, il me suit pas. Putain, par contre, il vise de très très loin. Et ça. Donc, comment on ouvre la Puerta del Sol? Puerta del Sol qui se trouve bien évidemment à Madrid. Bah. Attends, qu'est-ce que. J'ai loupé un détail. Je suis vraiment obligé de le défoncer? Génial, super. Superbe. Ouais, bah. Ouais. Bah ouais. Avec un point de vie, ouais. Génial, super. Comment je fais? Que pouvons-nous faire? Je suis obligé de le défoncer? Normalement, non. Alors là. Oh mais le bouton de ça. Le bouton de sa mère. Mais je vais crever. Bah oui. Bah oui. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous fucking faire? Nous faire baiser apparemment. Voilà, ça entrera dans le G-Doc. Big up. Non, bah je retire ce que j'allais dire. J'allais dire, j'aimerais bien être full vie quand même pour appuyer. Oh, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Je vais m'énerver. Il faut qu'on réfléchisse à une stratégie. Bon cours. Ben voilà. Ben oui, barrez-vous. Barrez-vous qu'on demime. La Cité de la Peur, évidemment. Film que je n'ai jamais vu, mais dont je connais moult citations. Alors, attendez. On va faire tel le petit serpent. Le petit serpent tank qui va se faire gazer.
Non mais... Meuf, je crois que t'es pas au courant, quoi. Je veux dire, t'es un robot, tu vas sur YouTube. Tape www.youtube.com/... Est-ce que ça marche, Nekmao, avec tes lives? Je sais pas, sinon tu recherches sur YouTube, quoi. Je fais de la merde, merci à tous. Vous voyez, j'ai encore de le dire. Dingue. Dingue, dingue, dingue. Allez. Allez, allez. Comment je vais faire? Bon sang de bonsoir. Pour ne pas dire bordel de cul à chiottes. Bien évidemment, ce serait trop peu me connaître. Je ne dis jamais d'insanité. C'est impossible! Non mais non mais... S'il te plaît! S'il te plaît! Ah, faudrait mettre un taisez-vous! Je sais pas faire l'infine cold crowd, s'il vous plaît. Ne clippez pas. Ne clippez pas, ne quittez pas! Est-ce que vraiment est-ce une bonne idée? Non, je vais aller le récupérer après. En cas d'extrême nécessité. Genre là, maintenant, là, tout de suite. Voilà, est-ce que... Il m'atteint pas de là. On est d'accord. Je veux tester la range. Non mais parce que, en vrai, regarde, on peut pas faire ça. Is too far away from me. Estas muy lejos. Demi, faudrait que je rebosse mon espagnol. Je suis pas sûr de la véracité de cette phrase. Je checkerai. Il m'a touché. Il m'a touché. Pas touché. Mais comment je vais faire, bordel de merde? C'est insensé, c'est incessant. En plus, elle sort ça sans sel, sans épices et sans sauce. Ok. Oh, 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 oh. Ok. Oui, c'est moi qui fais la boule noire dans Motus. Oh 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 oh. Terrible. C'est aussi terrible, je le dis souvent. Bon, alors comment que oui, je suis pensif. Je suis dans un état de pensitude très profonde. Le problème avec ce genre de vomi là que vous voyez là. Nous vomit de la merde. C'est de bien évidemment connaître la range de l'attaque. Étant donné qu'on la connaît pas, it's complicated. On est d'accord que... D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Surtout qu'en plus le mec que je vous avais parlé, mais on fera que référence à lui. Hein. Donc je m'excuse si vous n'aimez pas GameChamp 3000. Bon bah... Ne visitez pas sa chaîne, hein, évidemment. J'ai vu que récemment, d'ailleurs, il avait fait une vidéo. Peut-on finir Sonic 2, l'édition avec Knuckles, sans appuyer sur gauche et droite? La réponse est oui. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Du coup, j'ai download sa vidéo, donc peut-être que j'irai checker rapido. Alors, je pense que je laisserai quand même le compteur tourner, parce que bon, bah, ça paraît quand même la moindre des choses de... D'avoir un indicatif temporel pour se repérer. Surtout qu'en plus, je suis en train de me dire, mais bon, là le défi serait mission impossible, à moins d'être vraiment très très fort. Mais vous vous souvenez, on a fini Ratchet & Clank premier du nom en 30 heures, je crois. J'ai plus le chiffre, je vous l'avais donné dans l'épisode 1, j'ai plus le chiffre exact. Je pense que on va être bien au-dessus, mais alors. Bien au-dessus, je pense qu'on va exploser les trois chiffres. Je pense qu'on va être dans plus que Ratchet & Clank 1 plus Ratchet & Clank 2.
qui cumule à peu près 55 heures, je crois. Je ne sais plus précisément. Alors, vraiment, lui, il m'embête. Il n'y a pas un moment où il s'arrête. D'accord. Il crache son vomi en permanence. On est content, on a que deux PEV, par contre. Et oui, on peut pas passer au-dessus, c'est ça que je comprends pas. Je vais aller checker, je laisse le chrono tourner, je laisse tout, je fais juste un petit cut. Et puis voilà, je cherche l'info. Bonsoir, est-ce que je n'ai pas fait une connerie en faisant un cut? Bah bien sûr que si, évidemment j'ai arrêté l'enregistrement. Du coup il y a 8 minutes qui viennent de partir en fumée. Bon, c'est pas grave. Du coup, je sais. Je racontais de la merde, hein, comme d'habitude, évidemment. Mais c'est dommage parce que c'est un beau florilège là qu'on aurait pu faire. Tant pis, je le referai pas. C'était du one shot, apparemment. Oh oui, heureusement que ça ne tue pas ces espèces de jazers. À ne pas confondre, bien sûr, avec Jay-Z. Mec de Beyoncé. Bon, alors j'ai regardé l'extrait. Bon, il y a 10 minutes maintenant, mais... C'est ok. Alors, apparemment... Voilà, sauter, c'est nul. Par contre, essayer de contourner pour activer le bouton pour ouvrir la porte. Par contre, ça, c'est une bonne idée. Le truc, c'est que... Attendez. Peut-être que, voilà, c'est comme la dernière fois. La solution, c'est ceci. Pour éviter de perdre un maximum de vie, si tant est que j'arrive à viser, évidemment. Ouais, parce qu'il faudrait avoir un max de perte en fait. Voilà, venez là, je vous attends, viendez. Ah, quand vous êtes deux, non, par contre, ça, je suis pas rassuré. Comme la chanson avec Zambla, bien sûr. Non, mais je suis pas rassuré! Oh là là, oh si j'arrive à perfect, ce serait... Ah perfect, bien sûr. C'est un mélange entre perfect et parsec. Et voilà, bah forcément il suffisait d'en parler. Super. Super. Mais on est full B. On est full B. Alors, donc il faudrait, en soi, contourner. La porte est ouverte, la porte est ouverte, la puerta está... voûte. Ouverte, je sais pas comment on dit. On a réussi à passer. Alors, le pire maintenant, moi j'espère pas Bungie que c'est en disant ça, ce serait de décéder, bien évidemment. Je ne veux pas décéder. Qui veut décéder? Personne. Il va me falloir le point de vie. Ça va être méga important, bien sûr. La souris Sonic, vous l'avez vu. Souris Sonic, dont nous ne nous servirons évidemment pas du tout. Alors, déjà, on va s'occuper de... J'ai la chance qu'elle ne m'ait pas défoncé le HUC. C'est pas grave, il y a plein de vie. Il y a plein de vie, je suis plein de vie, bonsoir. Allez. Ouais. Il en reste, non? Non, il en reste plus. Par contre, il reste des connards. On a combien de points de vie en stock? 3, 2, 5, bien évidemment, je suis prof de maths. That's true! Wapley, faut recommencer, joie! J'ai envie de mourir! Ah, comme dit Florence Foresti dans son spectacle Motherfucker. Voilà, en bon français, tute de maman. J'ai envie de me pendre avec une corde à sauter. Évidemment, beaucoup de ref hein, ici. Ok. On est full vie. On n'est pas full vie. Oui, d'ailleurs, pour que j'ai dit on est full vie, on était absolument pas full vie. Con de moi. Est-ce que c'est quand il recule? Que c'est le best. Et là on squeeze, on fait paf. Je pense qu'on a la technique. Ah, par contre le bouton. C'est
ça aurait pu être terrible pour la suite. Ok, donc note à moi-même, hein, ne plus faire de cut via OBS. J'ai l'impression que l'image saute plus que d'habitude. Je devrais bientôt aussi changer de config de PC. Alors bientôt, bien sûr, tout est relatif. On va essayer de se concentrer de tomates. Voilà, donc en ne faisant pas des erreurs de débutant comme celle-ci, celle que vous venez d'assister, voilà. Dans le tutoriel comment vaincre les amibes, voilà, je ne figure pas dans ce tutoriel. Regardez, il suffit de bien jouer, tout se passe bien. Est-ce que n'est-ce pas là le meilleur du monde? Alors 3, 4, 5, 6, on s'en sort mieux que tout à l'heure, ceci dit. En fait, la pire des erreurs, je pense que ce serait de tomber à un pub. Ouais, tuez-vous. Pour ça, on va sécuriser un maximum. De toute façon, je ne les vois pas. Ils sont pas là, ils n'existent pas. Ok, nous avons réussi. On va quand même prendre ce quatrième point de vie qui ne serait pas négligeable. Et c'est maintenant, non, Overboard de ces morts? Est-ce maintenant? Ah non, c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui, il y a un tank en haut. Oh là là, oh là là, oh là là. Moult émotions me submergent. Rire, pleurer. Bon. Quand les amis sont deux, en théorie, c'est bon. Olé, tu ne m'auras pas. Ok. Ok, normalement c'est devant. Bravo. Alors là, maintenant. Ben. Maintenant, le bonheur extrême. Le bonheur extrême du tank. On va. C'est vrai qu'il y en a deux. Esteban Ziata ou les cités d'or. Axelo! Ok, nous sommes de retour à la session de l'angoisse. Mais en vrai, oui, c'est vrai que j'aurais pu squeezer directement là, comme je viens de faire ici. Non! Eh oui, mais heureusement, on est toujours full vie parce qu'on est des pro gamers, bien sûr! C'est pas vrai, j'ai menti! Par contre, mec, si t'as un problème, on peut venir en parler. Non. Hop hop j'allais me fourrer tout droit. Bon alors. Comment on fait? Ouais, alors déjà, toi et le nettoie. Un maximum, bordel de merde! Ah, c'est impossible. Impossible, je ne sais pas comment faire. Donc je fais un accès jusqu'à ce que... Oui, je sais, deux à la suite, pardon. Jusqu'à ce que je passe ces deux tanks de merde. Je sens que c'est une... je vais re-reset là. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 3. Je relance au niveau de ce timer là. Alors j'explique pourquoi je fais ça. Donc du coup je sais qu'on était en accéléré
Mais tout, mais j'ai dû interrompre l'épisode hier soir. Il y avait un petit souci technique. Bon, rien de bien méchant en termes d'enregistrement. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'a pas perdu grand chose. Rassurez-vous. Je me suis juste reconfiguré le timer pour qu'on soit exactement là où était notre dernière mort. Au moment du split, hein, donc 2-15-08. Donc voilà, donc là on va reprendre correctement. Donc étant donné que j'ai éteint la console, bon, bah, évidemment on retourne au début du niveau. Et alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment il calculait le temps dans le jeu. Peut-être que le temps de pause est considéré comme faisant partie du temps de jeu, mais j'ai une différence maintenant de 6 minutes entre mon timer et le temps de jeu, alors que avant j'étais en avance de 2 minutes. Je sais pas comment c'est géré. On va peut-être passer parce que je sens qu'on va mourir de décès et ce serait fort dommage de mourir de décès au premier essai. Essayer d'aller vite. Ouais, salut. Au pire on mourra, c'est pas grave. Et voilà, et comme d'habitude on fera un accélo. Donc temporellement parlant, je suis le lendemain du tournage initial de l'épisode. Et je sais qu'après après ça, je vais devoir rusher le cul pour faire le montage pour que vous ayez cette vidéo le jeudi. Donc voilà, c'est un crush. Alors je vais probablement mourir, voilà. Du fait de eux ou du... Ouais, mais le point de sauvegarde! Je les déteste. Oh non, s'il faut tous retaper à chaque fois, c'est niette. Alors, est-ce qu'on peut les ignorer comme des cons? Je pense que oui. Voilà, je repars pour une petite session de tournage. Du coup, bah, étant donné que je l'ai pas démarré, je ne sais absolument pas combien de temps dure l'épisode. Mais bon, s'il dure 1h20, il durera 1h20. Voilà, tant pis. Je voulais rester aux alentours des 40 minutes, comme on a fait à peu près pour les deux premiers épisodes. Plaisir de constater que ce ne sera vraisemblablement pas le cas avec toutes les ellipses et tout le Delbor. Un véritable plaisir, évidemment. Plaisir non dissimulé. Lisez le plaisir sur mon visage. Donc j'espère que vous entendez pas mon ventilo aussi parce que il fait excessivement chaud. Voilà, à part chez moi, j'ai quitté mon boulot à 16h et il faisait 41 degrés en plein soleil. À Londres 38. Autant vous dire qu'il fait chaud sa mère. Donc j'espère qu'il ne s'entend pas, qu'il souffle pas. Au pire s'il souffle, bah, c'est le principe d'un ventilo. Voilà. Et si vous êtes contre la logique, et bah c'est pas ma faute. Alors voyons voir si on se souvient de la strat. Apparemment, oui. Mais ça va être compliqué. Caméra. Et oui, la caméra, bien sûr. Donc on va revenir là à chaque fois. C'est donc véridique. En fait, c'est assez problématique. J'ai envie de vous dire. C'est vraiment le... L'épisode de la baise, voilà, on nous aura tout fait entre les tanks qui vomissent, les êtres multicellulaires qui nous croquent le cul, les checkpoints qui ne se sauvegardent pas. Franchement, si là on n'a pas la définition du plaisir, je sais pas ce que c'est. Hein. Manque plus que mon ordi plante et que je dois tout recommencer. Ouais. Bon, j'espère ne pas avoir le coup du sort qui va se faire. Est-ce que vraiment on a besoin, on n'a pas besoin en vrai de faire l'overboard? Ah si, parce que si on peut pas faire Calebo 3, oui, on va être bloqué à Calebo, je crois. Et là, attendez, parce que là c'est merde, c'est toute la strat, c'est-à-dire on se fait chier
à faire la course overboard, pour se rendre compte, une fois qu'on sera à la fin du jeu, à Calibur 3, de se dire, mais pourquoi on l'a fait? Ça servait à rien. J'ai hâte d'être dans 30 heures et le voir. Sinon, vous, ça va? Vous avez passé une belle journée? Sans transition aucune. Voilà, je suis avant tout, bien sûr, un animateur. Un agitateur, une bête à poil. Mon nom n'est pas Jean-Pascal, bien sûr, si vous avez la référence. Eh bien, bravo, vous connaissez la Star Academy. Début des années 2000. Voilà. Non mais c'est, par contre c'est vrai que je comprends pas pourquoi le checkpoint ne se valide pas. Oh, bien joué, voilà. C'est pas mon cul qu'on a croqué. Est-ce qu'il faudrait que je fasse une action particulière pour essayer de forcer le checkpoint? Il y a vraiment rien à faire. Genre si je fais ça, est-ce qu'il considère que j'ai activé le Vendor Gadgetron et donc il va me remettre là? Je sais pas. Parce que évidemment, ce serait moins drôle si c'était écrit. On va crever une fois de plus. Ça va être formidable. Voilà, c'est ça de laisser s'écouler environ 20 heures entre deux essais consécutifs. Mais c'est bon, c'est plus joué. Il n'y en a plus les strats. Et ça, c'est cool. Oh, et merde. Oh, attendez, il y a une autre caisse de vie là et on le remarque maintenant. Merci. Ben bravo, bravo les yeux, hein, ophtalmo. Donc je note coiffeur, coiffeur, ostéo et le mec des yeux, opticien, bien sûr. On n'a plus la strat, comment on faisait? Ah non, mais je suis condamné à recommencer là à chaque fois. Oh, alors voilà, vous trouviez le challenge hardcore, et eh ben voilà, vous avez la version plus plus. Attendez, mais j'espère que c'est pas un bug. On va essayer un truc. On va essayer de recharger la partie. Comme ça, au pire, c'est à 2h22. Voilà, 2h21. Et là, voilà, on est re en accord avec le timer quasiment. Voyons voir. Oh là là, je vous jure, c'est l'épisode de la galère. Voilà, on trouvait le. Le deuxième épisode dur avec Nebula G34, ben là, pouf, bonjour. Rassurez-vous, cette partie ne fait que pour l'instant 8 minutes 10. J'en peux plus. Je n'en puis plus. J'espère que ça va marcher parce que sinon, bon, ben, on fera avec, hein. Tant pis, on va pas recommencer le jeu pour ça. Mais oui, c'est embêtant. Parce que le challenge, c'est tout faire à la clé. Et t'as pas de checkpoint. Elle est belle, la France. Ouh là là. Des fois, la caméra qui ne suit pas quand je fais un saut. D'ailleurs, question, est-ce qu'on peut... Enfin, question, on n'aura pas la réponse. Vu que j'ai squeezé le passage, mais... Est-ce qu'en vrai, l'ascenseur est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut pas dire à Clank, bah... comment dire, ça genouille, vous savez, avec le pack on peut sauter. Allez, de toute façon je vais être obligé de les défoncer, ça j'ai pas le choix. Elle est là, ouais. C'est pas grave si Mayu. Maintenant que je sais qu'il y a de la vie ici, je vais la prendre. On est full vie. Et là, bien évidemment, c'est le moment que vous attendez tous. Ah, à travers le mur, à travers le mur. Eh bien, c'est formidable. Attention. J'ai envie de mourir. Merci à tous. Waouh, je suis hyper embêté du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer la strat. Je change de planète et je reviens.
Si la sauvegarde automatique ne fonctionne pas, peut-être qu'elle est buggée. Est-ce qu'on peut essayer d'aller... C'est vraiment horrible ce que je fais. Si ça marche pas, bon, je demanderai à vous dans les commentaires qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, ce serait chiant de se dire l'épisode, niette. Non, il faut qu'on produise quelque chose. Il faut que ça se fasse. Donc on va voir. On va pas faire une brise. Oui. On va pas faire une brise parce que j'aimerais le réserver vraiment pour l'épisode suivant. On va retourner sur Blackwater City Rilgar. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? J'espère que ça va marcher parce que vraiment, c'est très embêtant. Sinon, tant pis. On fait pas Rilgar pour l'instant. On voit ce que les idées que vous proposez. Parce que j'aimerais quand même vraiment rester dans l'objectif sans arme. J'ai pas envie de me dire bon bah on va utiliser une arme juste pour la première partie et puis ça défierait le défi quoi. Donc je sais pas ce qu'on pourrait faire, à part m'acharner hein, vraiment et essayer en tryhard pendant 82 ans de faire ces passages. Hein. Après s'il faut le faire en une fois, bah. Tant pis, ça fera partie du challenge. Challenge up. Mais bon, challenge quand même. Hein. Faut pas oublier qu'à la base, hein, Ratchet & Clank était un jeu PS2. Voilà, les bugs, ça existait. Bon, ça existe encore aujourd'hui, bien évidemment. Les bugs de sauvegarde. Enfin, de sauvegarde. Je sais pas, normalement, les checkpoints dans un jeu vidéo. Alors, je m'y connais pas. Hein. Et doivent être, je sais pas, codés. Si on remplit certaines conditions, ça doit pouvoir se faire. Je sais pas. On va voir, on va espérer que ça fonctionne. Et qu'il vivra verra. Putain, du coup, je suis en train d'avoir une vision du Vietnam là. Je me dis, purée, mais si. Dans l'éventualité, on fait le défi, ce même défi sur Ratchet & Clank 2. Et qu'on doit faire le putain de mecha des Tuck for Less. Déjà, rien que la planète est à chier. J'ai oublié son nom en plus. C'est. Comment ça s'appelle cette planète de merde? Oh. Tant pis, on utilisera le glitch des. Oh, le bouton, le bouton! Le bouton! Bon, ben on reprend là. Écoutez, je... C'est pas ce qui était prévu. Donc on va conclure l'épisode là. Désolé, proposez-moi dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse. En tout cas, prochain épisode, c'est sûr. Je sais pas si je vais le tourner avant la... Non, je tournerai probablement après la sortie. Donc n'hésitez pas à me... à voir ce qui est le mieux selon vous. Sinon tant pis, on fera le challenge vraiment, bah tant pis, le checkpoint marche pas, on reprendra de là à chaque fois, et puis tant pis, on fera un accès l'autre fou, et puis c'est pas grave. Donc voilà, dites-moi, et on se retrouve au prochain épisode, je vous fais des gros bisous, ciao!